voulais juste, au nom du conseil de la communauté d'agglomération qui a fait cet ouvrage, et si on a pu faire cet ouvrage, c'est parce que justement l'agglomération est là, et je voulais juste vous souhaiter la bienvenue dans votre centre de congrès d'Agen. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. On n'avait pas de salle de spectacle, donc oui, c'est très bien, une très bonne chose. On a été les premiers à faire vibrer les murs de ce site extraordinaire. Agen et l'agglomération peuvent s'enorgueillir d'avoir cet outil désormais au service des congrès, mais pas seulement, par sa polyvalence, également des concerts. Apprenons à ne plus se taire, changeons notre univers. Apprenons à ne plus se taire, imaginez qu'elle n'est pas si loin. Centre de congrès, donc il faut qu'il fasse sa preuve économiquement, donc il faut qu'on ait beaucoup de congrès, le carnet de commandes se remplit, y compris de congrès prestigieux, puisqu'on va avoir le congrès national des sapeurs-pompiers en 2015, qui est une des plus grandes manifestations nationales, mais ça se remplit bien, on a déjà inauguré avec la FNACA, etc., et puis il faut que la salle de spectacle fasse ses preuves, et j'espère que le public sera au rendez-vous. Quelque chose me dit que ça va le faire, mais bon, on verra.